Bonjour, le Tour du Bénin est en pleine renaissance et se positionne déjà comme l'un des principaux tours africains. Vous savez déjà, au niveau africain, nous n'avons même pas d'abord de compétition. Nous, il y a manque de compétition en Afrique. Bon, le fait que le Tour du Bénin vient s'ajouter, vraiment, c'est une aubaine pour les cyclistes et pour l'Afrique tout entière. L'objectif, c'est de faire grandir les équipes africaines. Parce qu'on remarque que l'Europe a une suprématie sur le vélo en négligeant tous les talents d'Afrique. Donc c'est aux Africains de prendre leurs responsabilités. Le niveau du Tour cette année, c'est presque le même niveau que le Burkina Faso, le Tour du Burkina. Donc le niveau est élevé, honnêtement, pour être honnête avec vous. Le Tour est très très disputé, il y a quand même un très gros niveau sur ce Tour. Je pense qu'on est largement sur du niveau d'un Tour du Faso qui existe depuis des années. Nous nous démarquons du Faso, parce que pour nous, le Faso a 30 ans d'expérience. Nous, on n'a que 2 ans d'expérience, 2 ou 3 ans d'expérience. Donc on ne peut pas se mettre à leur niveau, hein, parce que c'est une autre machine. Oui, c'est vraiment un plus pour le cyclisme, parce qu'il faut voir dans toute l'Afrique aujourd'hui quelles sont les courses qui sont inscrites à l'UCI. Il n'y en a que 3, le Rwanda, le Burkina Faso et le Bénin. Le petit Bénin, oui. Donc c'est formidable. Et vous savez que le Bénin est un petit pays. Nous allons d'abord consolider les acquis, en ayant un projet de développement stratégique, un plan de développement stratégique. Et notre plan de développement stratégique va de 2022 à 2032 pour pouvoir participer au championnat du monde au Rwanda et peut-être aux Jeux Olympiques si on peut placer 1 ou 2 juniors. Donc pour moi, c'est un projet vraiment africain. C'est une très aubaine pour nous et nous souhaitons longue vie à ce tour international du Bénin qui nous manquait depuis fort longtemps. Il faut aller vers le peuple dont on a besoin et leur montrer qu'on peut leur offrir du spectacle, leur montrer qu'on peut par exemple participer à la construction d'une école grâce à nos sponsors. On a eu beaucoup, beaucoup de monde, mieux que l'année passée. Et ça va se développer comme ça, ça va rentrer dans les mœurs de plus en plus. Et le Tour du Bénin sera un tour avec beaucoup de public. Après cette semaine de course, on se quitte avec les plus belles images de cette édition du Tour du Bénin.
Sud-Africa! Yeah.